welcome to the French Made Easy podcast, where I give you all the basics you need to speak French clearly and confidently. I'm your host, Mathilde, and I'm a French teacher, mom pronoun and bread-and-cheese lover. Join me as I dive into all things French for beginners and deliver to you bite-sized, easy-to-follow lessons every Tuesday. Let's get started. On commence. Hello everyone, bonjour à tous. Welcome back to the French Made Easy podcast. This is episode number 125, numero 125. Today we are talking about morning routines. So we'll learn expressions that you can use to describe your morning routine. And next week we'll stay in the daily routine theme and we will learn evening routine expressions so before we start as always if you are new to the podcast welcome please make sure you have your lessons cheat sheet ready so you can see the spelling of the words while you listen and then when you finish the episode then you can head over to the french made easy exercise library to download your lessons exercises and practice what you've learned today you will find all the download links in the episode notes all right so let's get into it we have 25 expressions plus some example sentences um, and make sure you repeat after me if you also want to practice your pronunciation all right first one se réveiller to wake up se réveiller il se réveille à à heures du Matin, he wakes up at a.m. Il se réveille à 7 heures du matin. S'étirer, to stretch. S'étirer, je m'étire pour bien commencer la journée. I stretch to start the day off right. Je m'étire pour bien commencer la Journée. Se lever. To get up. Se lever. Elle ne se lève pas tout de suite quand son réveil sonne. She doesn't get up right away when her alarm goes off. Elle ne se lève pas tout de suite quand son réveil sonne. Faire son lit to make one's bed faire son lit elle fait son lit avant de commencer sa journée she makes her bed before starting her day elle fait son lit avant de commencer sa journée se doucher to take a shower se doucher elle se douche rapidement le matin. She takes a quick shower in the morning. Elle se douche rapidement le matin. Se brosser les dents. To brush one's teeth. Se brosser les dents. Nous nous brossons les dents après le petit déjeuner. We brush our teeth after breakfast. Nous nous brossons les dents après le petit déjeuner. Se brosser les cheveux. To brush one's hair. Se brosser les cheveux. Elle se brosse les cheveux devant le miroir de la salle de bain. She brushes her hair in front of the bathroom mirror. Elle se brosse les cheveux devant le miroir. De la salle de bain. Se raser. To shave. Se raser. Il se rase tous les deux jours. He shaves every other day. Il se rase tous les deux jours. Se maquiller. To put on makeup. Se maquiller. Elle ne se maquille pas pour aller à la gym. She doesn't wear makeup to go to the gym or she doesn't put on makeup to go to the gym. elle ne se maquille pas pour aller à la gym. choisir ses vêtements. to choose one's clothes. choisir ses vêtements. choisissez vos vêtements la veille pour gagner du temps. choose your clothes the night before. To save time. Choisissez vos vêtements la veille pour gagner du temps. S'habiller. To get dressed. S'habiller. Mon fils s'habille tout seul maintenant. Mon fils s'habille tout seul maintenant. Mettre son manteau. To put on one's coat. Mettre son Manteau. Met au manteau, il fait froid dehors. Put on your coat, it is cold outside. Met au manteau, il fait froid dehors. Mettre ses chaussures. To put on one shoes. Mettre ses chaussures. Mets tes chaussures, on y va. Put on your shoes, let's go. Mets tes chaussures, on y va. Prendre le petit déjeuner. To have breakfast. Prendre le petit déjeuner. On prend le petit déjeuner ensemble tous les matins. We have breakfast together every morning. On prend le petit déjeuner ensemble tous les matins. Boire du café. To drink coffee. Boire du café. Il boit un café chaque matin, he drinks a coffee every morning. Il boit un café chaque matin. Boire du thé, to drink tea. Boire du thé. Vous buvez du thé ou du café le matin? Do you drink tea or coffee in the morning? Vous buvez du thé ou du café le matin. Nourrir le chat ou nourrir le chien. To feed the cat or the dog. Les enfants nourrissent le chien avant d'aller à l'école. The kids feed the dog before going to school. Les enfants nourrissent le chien avant d'aller à l'école. Vérifier la météo to check the weather. Vérifier la météo. On vérifie toujours la météo avant de choisir nos vêtements. We always check the weather forecast before choosing our clothes. On vérifie toujours la météo avant de choisir nos vêtements. Lire le journal. To read the newspaper. Lire le journal. Il lit le journal avant de commencer sa journée. He reads the newspaper before starting his il lit le journal avant de commencer sa journée. Écoutez la radio. To listen to the radio. Écoutez la radio. Est-ce que vous écoutez la radio en vous préparant? Do you listen to the radio while getting ready? Est-ce que vous écoutez la radio en vous préparant? Vérifiez ses emails. To check one's emails, vérifier ses emails. Je vérifie mes emails dans le train. I check my emails on the train. Je vérifie mes emails dans le train. Faire de l'exercice, en oh, faire du sport, to exercise. Faire de l'exercice, faire du sport. Je ne fais pas de sport le matin. Je préfère en faire le soir. I don't exercise in the morning. I prefer to do it in the evening. Je ne fais pas de sport le matin. Je préfère en faire le soir. Accompagner les enfants à l'école. To accompany the children to school. J'accompagne les enfants à l'école avant d'aller au travail. I accompany the children to school before going to work. J'accompagne les enfants à l'école avant d'aller au travail. Aller au travail ou aller à l'école? To go to work or to go to school? Aller au travail ou aller à l'école. Elle va au travail à pied quand il fait beau. She walks to work when the weather is nice. Elle va au travail à pied quand il fait beau. Prendre le bus ou prendre le train. To take the bus or to take the train. Prendre le bus ou prendre le train. Est-ce que vous prenez le bus ou le train pour aller au travail? Do you take the bus or train to go to work? Est-ce que vous prenez le bus ou le train pour aller au travail? Et voilà, we have our 25 morning routine expressions. Um, now, let's do a quick recap as usual. Se réveiller, to wake up. S'étirer, to stretch. Se lever, to get up. Faire son lit, to make one's bed. Se doucher, to take a shower. Se brosser les dents, to brush one's teeth. Se brosser les cheveux, to brush one's hair. Se raser, to shave. Se maquiller, to put on makeup. Choisir ses vêtements, to choose one's clothes. S'habiller, to get dressed. Mettre son manteau, to put on one's coat. Mettre ses chaussures, to put on one's shoes. Prendre le petit déjeuner, to have breakfast. Boire du café, to drink coffee. Boire du thé, to drink tea. Nourrir le chat, nourrir le chien, to feed the cat, the dog. Vérifier la météo, to check the weather forecast. Lire le journal, to read the newspaper. Écouter la radio, to listen to the radio. Vérifier ses emails, to check one's emails. Faire du sport, to exercise. Accompagner les enfants à l'école, to accompany the children to school. Aller au travail, ou aller à l'école. To go to work, to go to school. Prendre le bus ou prendre le train. To take the bus or to take the train. So that's finished. Hopefully, you enjoyed this episode today. Don't forget to head over to the French Made Easy exercise library to download your exercises for today and to practice what you have learned. All the links are in the episode notes. I will chat with you next week for evening routine expressions in French. A bientôt. Bye. Hey, it's me again. Before you go, I just wanted to let you know that if you are struggling with French pronunciation, I am excited to announce my new and free beginner's audio guide. It's called Five Step Roadmap to a Faultless French Pronunciation. It's really designed to simplify your French pronunciation journey and to make it less overwhelming. For you. So, if you are a beginner starting or restarting to learn French and you want to improve your French pronunciation, then this audio guide is perfect for you. And obviously, you also get a transcript with the audio guide so you can follow along while you listen. So, click the link inside your podcast notes to access the audio guide. It is free. A bientôt. Bye.